Alors, mon père a racheté le domaine de Villemajou en 1973. Il m'a très tôt initié à la vendange, puisque dès 1975, à l'âge de 10 ans, j'ai commencé avec ma sœur Guylaine à aller à la vigne et puis à la cave. À la fin de ses premières vendanges, il m'a dit « Tu sais Gérard, tu as de la chance parce que quand tu auras 50 ans, tu auras 40 ans d'expérience. » Il avait tellement raison. Mon père m'a initié au travail bien fait, à la passion et au souci des mille et un détails. Mais je l'ai réalisé et incarné au fur et à mesure. Comme dit Oscar Wilde, l'expérience est le nom que l'on donne à ses erreurs. J'en ai fait pas mal au début. Et ça m'a permis de m'affranchir de certains dogmes et de devenir moi-même par rapport à ma façon de voir le vin. Mon ami Jean-Claude Bérouet m'a appris la maîtrise de l'élevage, également la poésie dans le vin. Marc Dubernet, mon complice depuis 30 ans, m'a donné une dimension encyclopédique au niveau des produits, des terroirs, de la composition de chaque vin. Et avec tout ça, donc, j'ai fait ma propre partition et je me suis dit que l'excellence était un credo vers lequel il fallait tendre. La devise « Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va beaucoup plus loin » est une devise qu'on s'applique tous les jours, justement pour essayer de rechercher cette excellence. Produire des vins d'excellence, c'est d'abord révéler le potentiel fabuleux de nos terroirs. Alors quand je parle de terroir, c'est à la fois la notion de sol et la notion climatique dans toute sa complexité. Le rôle du vigneron, notre rôle, le rôle de nos équipes, c'est de bien comprendre, de bien sentir ces adaptations entre cépages et terroirs et d'en tirer la quintessence. La terre de Villemajou, elle est formidable puisque c'est un terroir exceptionnel avec ses galets roulés. C'est l'âme du groupe, c'est le maître étalon. C'est l'un des plus grands terroirs du sud de la France. Il faut avoir l'humilité de la comprendre sans jamais la posséder. Aujourd'hui, nous sommes en biodynamie avec, bien sûr, le premier domaine qui est le domaine de Cigalus, avec le château de l'Hospitalet, avec le château La Sauvageonne, avec le domaine de l'Aigle, avec le château Aiguevive. Nous démarrons également au château de La Soujolle et nous continuons, en plus du Clos d'Aura, à travailler pour que chaque domaine puisse être en biodynamie dans les 3 à 5 prochaines années. La biodynamie est vraiment une démarche agricole particulière qui se distingue de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique s'attache à ne plus dégrader l'environnement, à le respecter le plus possible. La biodynamie part d'un constat simple, c'est qu'on l'a tellement dégradé depuis 50 ans qu'il faut aller beaucoup plus loin. Clos d'Aura, c'est pour moi la quête essentielle de ma vie professionnelle, puisque révéler un message, c'est ce que le vin peut faire de mieux dans la pyramide des sens, en partant du plaisir, du goût, de l'émotion et de temps en temps du message dans une bouteille. Donc le message, c'est l'empreinte du vin, c'est l'empreinte du temps, c'est se remémorer 20, 30, 40 ans après qu'il s'est passé quelque chose de spécial sur un millésime. En 1998, je me suis dit, 10 ans après le décès de mon père, ça serait bien que je puisse avoir un vin pour lui rendre hommage. Il me parut comme une évidence que la parcelle de la Forge, qui était sa parcelle préférée, devait être isolée du domaine de Villemajou et devait être vinifiée séparément pour pouvoir justement révéler l'esprit de Georges Bertrand. Et ensuite, donc, nous avons isolé la plus belle parcelle du château La Ville-Bertrou avec le Viala.
avec une vieille Syrah, un Carignan et un Grenache. Et au château L'Hospitalet, la parcelle L'Hospitalitas, où on avait les hospices de Narbonne au XVIe siècle, où nous avons voulu faire un vin de mémoire. Quelques temps après, au domaine de l'Aigle, l'Aigle Royal, avec cette parcelle à 1503 mètres d'altitude, avec sa cabane, nous permet un élan vers l'au-delà. Aller au bout de ses convictions, c'est forcément maîtriser 100% de ce qu'on fait. Donc quand on est propriétaire d'un vignoble, on peut viser l'excellence puisqu'on va avoir la possibilité de maîtriser tous les paramètres, chaque jour de la taille à la récolte, et en même temps se forger une expérience année après année sur chaque terroir, et puis après venir voir comment chaque parcelle peut venir s'assembler de la meilleure façon possible. L'assemblage, c'est la clé de voûte et l'habillage final d'un vin. C'est ce qui va révéler le caractère à la fois du terroir, d'un vin et d'un vigneron. C'est quelque chose qu'on ne pratique jamais seul, qu'on ne fait jamais seul, l'assemblage, et c'est finalement une somme d'individualité qui arrive à quelque chose d'unique. De l'excellence, cette volonté du détail m'a guidé également dans chaque chai puisque nous avons rénové chaque chai et notre quête d'excellence est passée également par Capinsula qui a été essentiel dans le développement des vins Gérard Bertrand. L'Hospitalet est passé en biodynamie depuis 2013 et c'est un écrin, donc c'est un endroit également où nous célébrons l'art de vivre, où nous faisons le lien entre le vin, la gastronomie, la culture de la région et l'art sous toutes ses formes. Fierté de vendre du vin dans 150 pays, puisque dans 150 pays, on porte les messages de la marque, mais au-delà, les messages de notre région, de notre passion, de notre engagement pour le sud de la France et pour les valeurs qu'on défend, qui sont les valeurs de l'art de vivre, du partage et de la biodiversité. Chaque personne qui travaille dans cette entreprise est un élément essentiel à la réalisation de nos objectifs et également au quotidien, au bien vivre ensemble. Ça passe par une certaine forme d'équilibre avec les équipes, mais également personnellement avec ma famille, avec ma femme Ingrid, qui depuis 20 ans m'aide au quotidien et me permet de voyager dans le monde entier, avec mes enfants, Emma, ma fille, qui est passionnée par la gastronomie, par l'art de vivre, mon fils Mathias, qui a l'esprit de compétition, qui a cette volonté de toujours mieux faire à cheville au corps. Aujourd'hui, ils sont en âge de déguster des vins et puis de comprendre un petit peu mon métier, ma passion. Et puis j'espère qu'ils auront cette même passion et qu'ils auront envie de porter encore plus loin le message de cette région. J'ai toujours été guidé par la volonté d'excellence, par la recherche de créer le vin le plus authentique possible. Et ma devise de Saint-Exupéry, si tu veux tracer un sillon droit, accroche ta charrue à une étoile. Cette métaphore résume très bien ma vie de vigneron.